Salam à tous. Chronique numéro 4. Donc, dans cette chronique, je vais traiter du comment pouvons-nous appréhender, je dirais, le marxisme au niveau contemporain. Alors, il est très difficile de définir le marxisme dans un sens strict. Effectivement, aujourd'hui encore, beaucoup d'interprétations sont éparses et se développent d'une façon continuelle. Alors même si on peut comprendre comme l'ensemble, je dirais que le marxisme est l'ensemble des thèses exposées par le philosophe allemand Karl Marx, il est impossible de séparer le marxisme de l'utilisation qu'il a été faite de cette doctrine au cours du XXe siècle. Bien entendu, le marxisme présentera d'une manière permanente des analyses qui sont strictement, je dirais, économiques. Nous ne pouvons pas tirer du marxisme un concept patriotique, voire même nationaliste ou étatique. Le marxisme est avant tout une analyse de l'économie. Donc Karl Marx, qui était à la fois un économiste et un philosophe, la prudence, je dirais, dans l'analyse, s'est-elle souvent effacée devant la doctrine politique? Pourtant, si on y regarde de plus près, l'œuvre de Marx est loin de présenter une vision unique de la réalité. Ce que certains ont voulu que cela soit une orthodoxie précise. Au contraire, je dirais que la diversité de ses travaux historiques, économiques, politiques, philosophiques, témoigne du caractère ouvert de ses réflexions, permettant encore aujourd'hui d'en interpréter le sens. Ainsi, je dirais que dans son œuvre majeure qui concerne l'économie, à savoir le Capital, pour une partie de l'ouvrage bien entendu, est resté finalement inachevé. Je m'explique. L'analyse du capitalisme n'a donc pas conduit Marx à fournir des éléments définitifs, comme certains ont pu le croire, hein, des deux côtés, aussi bien les marxistes comme les anti-marxistes. Et donc, on peut considérer qu'il met en évidence non des lois de développement inéluctables, voire inexpugnables, mais seulement des tendances susceptibles d'être infirmées par des mouvements inverses. Marx s'est contenté d'apporter une interprétation économique de l'histoire, sur par exemple, plus précisément, les modes de production. Il a bien expliqué que chaque société peut se caractériser à un moment donné par son mode de production. Celui-ci, je dirais, désigne la combinaison de deux éléments qui sont les forces productives et les rapports de production. Premièrement, je dirais que l'effort productif regroupe les instruments de production, à savoir la force de travail physique et intellectuelle des hommes. Également les objets de travail, les sciences et les techniques en vigueur, voire de ce qu'on peut appeler l'organisation du travail dans son ensemble. Alors, à l'occasion de cette activité de production, les hommes nouent entre eux des relations sociales, que Marx appelle précisément des rapports de production. En particulier, par exemple, les rapports de production correspondent aux rapports de propriété des moyens de production, ce qu'on pourrait définir comme des machines, usines, bref, ce qui est représenté d'une façon matérielle.
permettent finalement au fond de donner une définition des classes sociales selon la place qu'elles occupent par rapport à la propriété de ces moyens. Ainsi, je dirais qu'au lieu de parler de régime économique ou de structure sociale à une époque donnée, je pense que Marx utilise la notion de mode de production. Il peut alors distinguer les étapes de l'histoire humaine en déterminant quatre modes de production. Le premier, le mode de production asiatique, se caractérisant par des sociétés quasi-esclavagistes dans lesquelles la population est subordonnée à l'État et qui est relativement développée, voire centralisée, et du reste d'une main de fer. Petit 2, je dirais qu'il y a également le mode de production antique, qui est caractérisé par l'esclavage. Petit 3, nous avons le mode de production féodal, qui lui-même se définit par le servage, où la société étant divisée en deux camps antagonistes, les seigneurs et les serfs. Et petit 4, bien entendu, celui qui nous regarde, puisqu'il est en cesse, sans cesse évolution, le mode de production capitaliste, qui ne distingue pas par la propriété des moyens de production, mais par le salariat qui assimile le travail des hommes à une marchandise qui peut être achetée ou vendue. Alors, une fois que ce décorum a été placé, nous arrivons bien entendu à la dynamique de fonctionnement, après la théorie, la pratique, donc cette fameuse dynamique des modes de production. Pour Marx, le mouvement de l'histoire s'explique par les contradictions entre les forces productives et les rapports de production. Dans un mode de production, je dirais que les forces productives représentent un élément dynamique, comme le montre l'histoire des découvertes, par exemple, les inventions, les progrès de la division du travail, la rationalisation de la production, etc. Comme les rapports de production sont en revanche relativement stables et immuables, il arrive à un moment où ils entravent le développement des forces productives. Ce schéma peut ainsi, je dirais, expliquer le passage du mode de production féodal au mode de production capitaliste. Et c'est là où nous y arrivons, où nous arrivons dans ce que je rappelle le vif du sujet, de façon contemporaine. Automatiquement, nous avons la naissance de l'industrie moderne avec les manufactures et le développement de l'économie marchande qui sont venues peu à peu, je dirais, buter sur des rapports de production figés, ce qu'on peut appeler la division de la société en ordre, corporation, qui entravait la liberté du commerce et du travail. Alors, ce que nous apprend Marx, ou ce qu'il nous rappelle, les conditions féodales de la propriété ne correspondaient plus aux forces productives déjà développées. Elles étaient obsolètes. Elles se transformaient en autant de chaînes, donc il fallait les briser, et elles furent brisées, une fois. Le même processus doit, toujours selon l'interprétation que nous pouvons avoir de Marx, conduire du mode de production capitaliste au mode de production socialiste ou communiste. Et c'est là où les choses se gâtent. Donc, cette analyse pénètre dans un champ d'application à travers une certaine, je dirais, série de crises où le capitalisme doit peu à peu s'effondrer pour laisser place au socialisme. Puis, effectivement, bon an, mal an, par palier, passant du socialisme, via directement l'utopie suprême qui serait le communisme, bien entendu, de chacun selon ses capacités et chacun selon ses besoins. Finalement, ce qui se caractérise, qui pourrait se caractériser, comme disent certains, par l'abolition de l'État, des classes sociales, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors pour arriver à ce genre de dessin, qu'effectivement aujourd'hui nous pouvons constater que le capitalisme a certes triomphé, mais il donne encore une place très importante à la notion de Marx si on arrive à l'analyser d'une façon inversée. Je m'explique. Par exemple, le matérialisme historique. Quand on connaît le schéma d'analyse
qui a reçu le nom de matérialisme historique, il s'agit d'abord d'un matérialisme, car ce sont des conditions matérielles, c'est-à-dire la base économique de la société qui explique le mouvement de l'histoire. Ce ne sont donc pas, je dirais, les idées qui mènent le monde, mais les contradictions qui naissent au sein du mode de production de chaque société. Contradiction, bien entendu, qui assure aussi le développement de la lutte des classes. C'est la volonté d'essayer de résoudre ces contradictions qui, finalement, a été plus certaine, voire plus, je dirais, plus importante du côté capitaliste et néanmoins, malheureusement, du côté marxiste, où, effectivement, une bonne partie se sont reposées sur leurs lauriers. Bien que Karl Marx ait ainsi amené à opposer l'infrastructure d'une société, bien dans son mode de production, et sa superstructure, qui comprend bien entendu l'organisation juridique, à savoir le droit, bien entendu, l'organisation politique, ce qui définit finalement l'État et les partis, le système de valeurs, donc la religion, l'idéologie, etc. Donc vous voyez, on peut séparer tous ces éléments, puisqu'ils peuvent même fonctionner et concourir ensemble et à l'unisson. Donc finalement, au fond, déterminer une sorte de superstructure caractérisée, donc tout mode de production, mais elle est, je dirais, elle en est le reflet, voire même la conséquence. Alors pour faire plus simple et pour essayer de terminer, pour ne pas aller trop loin, je dirais que ce matérialisme peut être qualifié en outre d'historique, car Marx montre comment les modes de production se sont nécessairement succédés dans l'histoire. Il s'agit cependant de l'histoire occidentale, bien entendu, car le mode de production asiatique ne constituant pas une étape de l'histoire de l'Occident. Alors, ce mode de production se révèle d'ailleurs assez intéressant, car en raison de son fondement sur l'exploitation de la société entière par l'État ou la classe bureaucratique, il a pu être appliqué autant à l'Égypte des pharaons qu'aux anciens pays socialistes, caractérisés bien entendu par la propriété collective des moyens de production. C'est une des raisons pourquoi je considère que les analyses marxistes restent encore ouvertes et, étant donné que le capitalisme aujourd'hui est la seule force de production dominant le monde, l'analyse marxiste reste encore d'actualité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.